Mathieu Jonas est un as au billard. Faut voir comment il joue, car ses coups sont fumants, époustouflants. Matin et soir, sur le comptoir, il y a son verre de bière. Les gens se pressent et acquiescent ses coulées, ses coups doublés. Au coin de la bouche, un mégot presque éteint. On croit qu'il louche, pourtant il n'en est rien. Il sait très bien calculer ses effets. Il sait ce qu'il fait. Il ne se presse pas, s'énerve pas, mais il prend son temps. Son jeu est sûr, sa figure a le sourire, ce qui fait dire Monsieur Jonas est un as au billard. À le voir, les gens tout haut crient bravo, c'est un as, Monsieur Jonas. Il y a eu un monsieur qui est arrivé, un monsieur, un étranger, un monsieur très à la page qui venait d'un autre village. Contre Jonas il joua, et Jonas perdit cette fois. Mais ne pouvant le supporter, un soir il s'est suicidé. Dans le village on ne joue plus au billard, car le diable passe et Jonas qui revient malin. Il frappe les joueurs qui de peur s'évanouissent, font une jaunisse. Il boit la bière, casse les verres, mange les bleus par bleu. Sans crier gare dans le billard, tout de go, fait des accros. Au lointain, on entend gémir les trains fantômes qui courent dans le matin. Sur son passage, le vent balaye tout et crie comme un fou. Jonas, Jonas. Les villageois perdent la joie et le sommeil, et dans leurs oreilles, vite ils enfilent du coton hydrophile pour ne plus écouter un Jonas déchaîné qui se met à hurler. Monsieur Jonas, c'est un as au billard.